Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, il y a longtemps que je ne t'avais pas vu. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau placement dans lequel je me lance, qui est AI Trading 404. Donc je vais te parler un peu du projet, te présenter les différentes parties du site, te parler de l'affiliation et te faire un tuto pas à pas de l'inscription. Parce que c'est un peu déroutant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, où généralement on s'inscrit sur un site, puis on va placer son argent. Là c'est l'inverse, c'est que tu vas commencer par acheter, et après tu vas t'inscrire sur le site une fois que tu auras reçu la validation. Donc c'est un peu particulier, les étapes sont à faire dans l'ordre. C'est pas compliqué, il faut juste procéder dans l'ordre et faire attention, donc je vais te faire ça pas à pas en faisant une inscription. Moi je suis déjà inscrit, mais je vais inscrire, je vais faire un deuxième compte pour mon épouse, et du coup je vais te montrer comment ça se passe pour que tu ne te perdes pas. Donc qu'est-ce que c'est que AI Trading 404? Donc en fait la société, c'est une société qui développe des logiciels de trading et un pool financier, entreprise basée aux États-Unis dans l'état du Delaware. Donc qu'est-ce qu'un pool financier? Donc c'est un consortium d'individus ou d'entreprises associés pour financer et développer un projet. Donc là, dans le cadre d'AI Trading 404, nous les membres, on finance un robot copy trade pour générer des profits. Donc on va placer une somme d'argent. Cette somme d'argent, tu ne la récupères pas, tu la récupéreras au travers des gains faits par le robot. Je vais te montrer après l'historique des gains qu'il a pu générer sur le dernier quadrimestre 2021 et depuis le début de l'année. Comment ça marche? Donc ça c'est ce qui a été fait en amont, la mise en relation des traders avec l'entreprise, l'élaboration de stratégies de trading, l'automatisation grâce à l'IA, puisque là c'est une intelligence artificielle qui travaille derrière pour nous, et la mise en marche des stratégies approuvées, puisqu'il y a eu une phase test et on est passé en phase grand public. La deuxième partie, donc la zone membre, donc ça en fait c'est ce que tu vas retrouver de plus important sur le site une fois que tu te seras inscrit après avoir déposé tes fonds. Donc une fois que tu es inscrit, il n'y a rien qui t'empêche de réalimenter ton portefeuille, hein. Tu peux réinvestir également, donc tu peux faire des recharges, tu peux suivre ta performance. Tu vas régler ton retrait, puisque le retrait il se fait de manière automatique en fin de mois. Donc ici, toi, ce que tu vas faire, c'est simplement d'aller renseigner ton nom, ton prénom, une adresse mail, je crois, et mettre l'adresse à laquelle tu veux être payé, si c'est du Bitcoin ou de l'Ethereum. Puisque ce soit pour le dépôt ou pour le retrait, c'est en Bitcoin ou en Ethereum. Documentation, donc là tu as un formulaire à remplir une fois, comme quoi voilà, tu es bien conscient des risques que tu prends. Et puis tu as une partie affiliation en fait, où tu as un bouton pour pouvoir aller t'inscrire sur une autre plateforme partenaire, puisqu'en fait l'affiliation est complètement détachée de la performance du robot. C'est pas comme sur beaucoup d'autres placements où les commissions d'affiliation sont mélangées avec les gains de ton robot. Là non, il y a bien une plateforme pour le trading et une plateforme pour l'affiliation, une affiliation donc qui est pas du MLM comme on le voit aussi habituellement, dans le sens où tu vas pas toucher sur 2, 3, 4, 10 niveaux. Là tu vas toucher uniquement un bonus sur tes fioles directes. Donc après, si tes fioles parrainent à leur tour, eux auront un bonus, toi tu ne touches rien. Donc ça évite le développement à outrance d'un réseau sur je ne sais pas combien de niveaux de profondeur. Donc là, bon, on te dit zone membre, ok, se connecter, hello, voilà, bon, l'affiliation, voilà, tu reçois 10% sur la recharge de tes fioles directes et de leurs profits. Et là, le versement, on nous dit que c'est tous les deuxièmes dimanches du mois, puisque comme c'est décorrélé par rapport à la plateforme de trading, donc côté trading, on te verse tes gains en fin de mois, et ici, pour l'affiliation, c'est le deuxième dimanche du mois. Donc on va aller faire un tour sur la plateforme, puisque moi, comme là je suis déjà inscrit, bon, j'ai accès à tout. Ici, ben, on va aller sur l'historique des performances. Non, d'abord la feuille de route. Donc la feuille de route, donc ça a commencé à tourner en T3 au mois de septembre. Donc il y a eu le club qui a été créé. Il y a eu un certain nombre d'investisseurs privés donc, qui ont été sélectionnés pour pouvoir faire
je dirais le test, et c'est ouvert au public depuis début du mois de janvier. Ce qui est important, c'est qu'ils vont fermer les adhésions à la fin du mois, le 31 mars, pour se concentrer donc sur la partie trading à haute fréquence, puisque aujourd'hui, je vais te montrer après, tu vas voir que le robot ne tourne pas tous les jours. Il n'y a pas de promesse de profit, on ne te dit pas tu vas faire 30% par mois, ou moins ou plus. Le robot, lui, va trader lorsqu'il sent des opportunités. S'il n'y a pas d'opportunité, il ne se positionne pas. Donc il peut rester plusieurs jours inactif, et puis faire quelques trades comme ça dans le mois. Donc je te montrerai la courbe. Donc ici, bon, ça va être concentré sur les trading. Donc c'est bien parce qu'en fermant les adhésions là, ça va limiter en fait le nombre d'investisseurs finalement. Et puis ça va permettre d'éviter aussi de payer des commissions de parrainage à la société. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis donc ils vont réouvrir les inscriptions au T1 2023. Donc là, si tu rentres avant la fin du mois, donc faut savoir que l'investissement minimal c'est $250. Après, pendant la période T2, T4, il n'y a rien qui t'empêchera d'augmenter ton capital, de remettre un pack à 250 par exemple, parce que tu vois que les performances sont bonnes et que du coup tu vas en profiter, donc tu auras un peu d'argent. Ce sera possible, mais ce sera plus possible de faire rentrer quelqu'un à partir du 1er avril. Donc les performances de 2021. Allons-y voir. C'est un peu long. Voilà. Donc, ce qu'il y a eu avec les investisseurs privés, donc ils ont déposé $110 000 dans le robot. Et le robot a fonctionné de cette façon-là. Donc, il a récupéré $16 000 au mois de septembre, 63 000, 89 000, et un gros mois de décembre. Donc, bon, je ne sais pas exactement, je n'ai pas suivi. Un gros mois de décembre à 410 000. Ce qui fait que le total est à 538 000 euros. Donc, on les 110 000. Il a fait un profit net de 428 000 euros qui correspond à 390%. Donc, c'est juste énorme. Bon, est-ce que le mois de décembre est une exception ? Peut-être le considérer, mais même si le robot faisait du 90 000 tous les mois, ma foi, ce serait pas mal. Bon, on va voir que 2022, c'est un petit peu plus compliqué pour lui quand même. Ce qui me rassure, c'est que là, le robot, il annonce des trades perdants. Contrairement à tous ces sites qui te disent 100%, je parle pas d'IPC, hein, bien sûr, hein, qui te fait du 100% de gain tout le temps. Bon. Là, au moins, il y a des trades perdants. Au niveau géographique, donc, on voit que les trades se font majoritairement sur les marchés américains. Donc, c'est sur du Forex. Donc, ça tourne du lundi au vendredi. Je disais qu'il ne tourne pas tous les jours, hein, que lui ne va pas se positionner tous les jours, mais le samedi et le dimanche, tu es sûr de rien voir, puisque il est sur le marché Forex. On voit qu'il y a un peu de Grande-Bretagne et puis d'Australie. Au niveau de la répartition entre les shorts et les longs trades, bon, on voit que là, sur 2021, il a surtout fait du long trade, hein, pour les trois quarts, les deux tiers. Allez. Alors que 2022, c'est un peu l'inverse. Finalement, sur 2022, il est sur du short. Donc on voit la progression ici. Je ne sais pas si c'est un nombre de jours. Donc là, on voit que d'un coup, ça s'est emballé. Donc ça, c'est pour la partie 2021. Si on regarde 2022, donc là, c'est pas tout à fait la même. Alors le mois de janvier a été très bon grâce à une journée. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas l'événement qu'il fait, mais il s'est bien positionné ce jour-là et du coup il a fait une grosse performance. Parce que là tu vois les performances par jour. Et là on voit que le 21 janvier, il a fait un 27%, ce qui est exceptionnel par rapport à ce qu'il faisait sur les autres jours. Mais bon, déjà de faire des journées à 12%, 6, 8, bon. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Après, là, le mois de février, il est beaucoup plus calme. Donc, il a détecté beaucoup moins d'opportunités. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de trades finalement dans le mois. Hein. Ça a démarré ici le 2, il y a le 4, le 9, le 14, le 15, le 23. Et après le 23, je pense qu'avec la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée, ça a dû rebaloter les cartes. Et du coup, il ne s'est plus rien passé. Jusqu'à la fin du mois, il a repris là le 3 et le 4 mars. Il a fait 3% et 2,16%.
Donc, si on regarde sur le mois, bon, le mois de janvier, un mois de janvier à 79%, mais bon, on a une grosse journée ici, hein. Le mois de février, ben, il a fait que 8%. Donc, c'est pour ça, je disais tout à l'heure, il n'y a aucune garantie sur un pourcentage de gain, puisqu'on voit bien que d'un mois à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc là, ici, ce sont les performances du robot. Ça, ce sont les performances des investisseurs. Puisque, en fait, sur ce que le robot va gagner, il y a 60% qui est reversé aux investisseurs et 40% qui servent à financer la partie affiliation et à faire tourner, je ne vais pas dire tourner l'entreprise, mais à rémunérer aussi la société et ses partenaires qui ont mis en place le robot. Donc, ce qui fait que là, depuis le début de l'année, donc si on cumule les mois, ça représente 92% de performance sur le robot qui se transforme en 55% de performance pour les investisseurs. Après, ici en dessous, ce que tu vois, c'est le tableau des profits. Donc en fait, quand tu achètes ton pack, que tu l'as payé, tu reçois après par mail dans les 24 heures un code à deux lettres, member ID, un identifiant, et qui est ton identifiant et qui te permet en fait de suivre ta performance. Donc bon, moi, par exemple, moi ça a été créé hier, donc c'est un mauvais exemple, hein, puisque ça n'a pas encore tourné, donc je suis QT, voilà. Donc le 7 mars, j'ai ouvert avec un pack à $250, pour l'instant j'ai rien gagné. Si je reprends ici le premier, là le plus ancien, qui a démarré le 6 janvier, il a mis $1000, et là, on voit le 55,61% de profit, donc qui correspond au 51,61 qu'on a ici, hein, et qui représente $556. Donc là, depuis le début de l'année, en deux mois, hein, peine plus. Non, deux mois, d'ailleurs, on est le 8, il a fait le 6. Bon, allez. En deux mois, il a fait $556 sur les 1000 qu'il a placés. Donc il a déjà récupéré la moitié de sa mise. Et le dernier tableau, qui reprend donc les gains, mais qui le répartit là entre ce qui a déjà été versé et ce qui est à recevoir à la fin du mois. Donc en sachant que si le robot il devait ne pas travailler ou très peu sur le mois, les paiements de fin de mois se font avec un minimum de $5. S'il n'y a pas $5, il n'y a pas de virement et ça reste en to receive. To receive. Mon accent est vraiment pourri. Et ce sera versé le mois suivant avec le cumul des gains du mois suivant. Donc il n'y a pas de. C'est simple comme fonctionnement. Il n'y a pas à demander son paiement. C'est en automatique en fin de mois à partir du moment où ça a dépassé $5. Donc c'est bien, à la limite, t'as pas à t'en occuper, t'as même pas besoin de t'y connecter. Tu places tes sous et puis tu reçois un virement tous les mois. Et puis c'est à ce moment-là que tu peux aller regarder. Tu n'es pas obligé de le surveiller. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, voilà, donc tu vois, là, on voit qu'en 2022, c'est quand même plus compliqué pour lui, puisque là, 96 trades gagnants et 51 trades perdants. Donc, on voit que on est loin, c'est loin de gagner à tous les coups, mais malgré tout, il sort quand même une performance positive tous les mois. Et là, on voit que la tendance au short trade, a nettement progressé par rapport à 2021. Et puis on voit aussi au niveau des trades, on voit qu'il y a aussi là l'Europe qui est rentrée dans la partie, contrairement à 2021 où c'était surtout les États-Unis. Donc là, il y a le continent européen aussi qui est entré dedans. Donc ce qui peut expliquer du coup l'absence de trade sur la fin du mois de février compte tenu de la situation. Et le mois de mars, je sais pas ce que ça va pouvoir donner non plus. Et ici, tu trouves les transactions. Du coup, peut-être que celle du 31 janvier, ouais, non. Du 21, celle où ça a bombardé, c'était sur le Nasdaq. Donc voilà, il avait placé 23 trades ce jour-là. Et visiblement, les 20 shorts, là, ils ont bien carburé, puisque c'est ce qui explique les 17 ou 27%, je sais plus, 17 de ce jour-là. Donc ici, t'as pas les montants, t'as pas les gains, mais tu sais ce qu'il a fait. Donc là, par exemple, sur le mois de mars, le 4 mars, là, il avait fait 3 trades sur l'US30, 3 sur le NAS100, et puis un en Angleterre, Angleterre, je sais pas, enfin, sur la paire GBP-USD.
en short. Donc on voit que le short, ça augmente. Ici, bah justement, ça doit être la répartition des différents indicateurs, enfin sur les différents secteurs sur lesquels il trade. Donc on voit que c'est le Nasdaq hein, qui est la moitié. Hein. Après, on a le Dow Jones. Bon, voilà. Tu vois les différentes parties sur lesquelles il investit. Ici, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Bon, là, ça doit être des indicateurs. Je ne sais pas si ce sont des indicateurs qui sont mis à jour en temps réel. Mais là, du coup, pour le coup, ouais, ça a l'air de bouger. Mais... Ouais. Donc, c'est du temps réel. Bon, là, a priori, il n'est pas fan. Donc là, il est plutôt sur de la vente. Donc quand tu fais de la vente, c'est plutôt du short. Du coup, donc la tendance du marché, là, est à la vente. ici, donc, un graphique d'analyse, donc US30. Donc on doit pouvoir, voilà. On peut suivre différents indicateurs, on peut aller regarder les courbes. Voilà, bon, y a plein de choses à aller voir. Il y a des news. Donc ça, je te laisserai regarder. Mais donc l'idée... c'était de te montrer les performances 2022. Ça, on a vu. Donc là, je suis sur le site. Hein. Donc une fois l'inscription faite, après, tu as accès à la zone membre. Ah, trop longtemps. Voilà, donc la zone membre, s'il veut bien, voilà. Donc là, c'est ce que je t'avais parlé tout à l'heure sur le slide, hein, la recharge, les retraits, la performance, l'affiliation, bon. Donc les recharges, voilà les différents dépôts que tu peux faire. Donc 250$, c'est le mini. Après, tu as du 500, du 1000 et du 2000. Et 5000, 10000 et 20000. Sachant qu'après, bon, si tu as plus de 20000 à mettre, tu peux faire plusieurs achats. Les performances, donc, ça va revenir au tableau que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, bah, voilà, on est sur le 2022. Hein, donc on revient à ça avec ici les gains. Parce que chaque fois, tu viendras en fait dans le tableau pour regarder ta ligne. Ça que tu peux suivre ta performance. Versement, donc les profits sont versés automatiquement au 30e jour du mois. Demande de retrait, donc en fait ici tu as un formulaire à remplir. Avec ton prénom, ton nom, ton email, si tu veux du Bitcoin ou de l'Ethereum, et ici tu mets l'adresse de ton adresse Binance par exemple, pour récupérer tes Bitcoins ou tes Ethereum. Tu dis que t'es pas un robot et t'envoies. Donc ça, tu le fais qu'une fois, après, pas de problème. Après, c'est le formulaire. Donc là, c'est le formulaire comme quoi. Donc tu mets ton prénom, ton nom, ton email, ta date de naissance, comme quoi tu as lu et tu as compris. Donc en fait, il faut scroller, tu as une version voilà, tu as une version française ici. Donc voilà, c'est le truc habituel hein, qui te prévient des risques. Et que tu es conscient de ces risques, et du coup, là que tu acceptes, et là tu fais une signature électronique en fait, hein, tu signes dans la case, tu dis que tu n'es pas en robot et t'envoies, donc ça c'est pareil, tu le fais qu'une fois, mais ça c'est important de le faire une fois que tu t'es inscrit, puisque c'est obligatoire, sinon tu ne pourras pas toucher tes gains. Donc c'est tout ce qu'il y a comme démarche à faire, et puis donc l'affiliation. Qui t'envoie ici sur un lien, donc tu cliqueras sur inscription de manière à pouvoir aller sur le site d'affiliation partenaire donc, qui est ouvert ici, voilà. Sinon il se présente comme ça, sauf que quand tu crées donc sur quand tu cliques ici inscription, moi t'arrives sur une autre page, voilà, ça t'envoie sur t'inscrire et là tu mets ton nom. Une adresse électronique, donc vaut mieux mettre la même adresse électronique que celle que tu as utilisée pour le compte sur iTrading. Ton mot de passe, et puis tu crées. Ouais,
je vais me reconnecter. Donc voilà pour la partie présentation. Alors, passage piéton. C'est bon, il n'y en a plus. Se connecter. Voilà, donc une fois que tu es inscrit sur la plateforme d'affiliation, donc tu as ton lien d'affiliation que tu peux personnaliser. Au départ, c'est un code avec plein de chiffres. Et après, ici, dans les réglages, tu peux ici mettre ton ce que tu veux pour aller pour venir sur le bout du lien de parrainage. Donc tu peux le personnaliser. Ici, tes paramètres de paiement, bah, tu fais changement. Donc là, c'est pour les commissions, c'est qu'en Bitcoin. Donc il te demandera ton adresse Bitcoin. Voilà, bon, là, j'ai remis l'adresse de ma chaîne YouTube. Et tu peux mettre différentes adresses, hein. Tu peux mettre tes différents comptes de réseaux sociaux. Si tu as un site internet, tu peux le mettre aussi. Voilà. Bon, après, là, forcément, tout est à zéro, hein, mais c'est les résumés de ce qui s'est passé d'un point de vue affiliation. Donc là, bah, ce que je vais faire maintenant, c'est créer un compte et puis l'alimenter et aller jusqu'au bout de la démarche avec toi pour que tu puisses avancer pas à pas et que tu ne te trompes pas. Donc pour l'inscription, bah, je vais utiliser mon lien d'affiliation, tant qu'à faire, autant que je parraine ma femme. Donc je clique sur le lien. Donc ici on voit qu'il y a le lien d'affiliation, la puissance. Donc là c'est vraiment le processus à réaliser de manière à ce que le parrain puisse bénéficier de la commission. Donc si tu souhaites m'en faire profiter, bah, je t'invite à utiliser le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Je t'oblige à rien, mais simplement, bon, bah, toi ça te coûte rien. Moi, ça peut me rapporter un peu, ça me permet de me motiver à continuer de faire ce genre de vidéo. Donc ici, tu vas aller cliquer sur « Inscription ». Il faut aller choisir donc le pack qu'on va acheter. Donc là, je vais prendre un pack à 250$. Alors, faut être un peu patient. Quand tu cliques une fois, il y a un petit temps de latence. Faut pas, c'est pas la peine de cliquer plusieurs fois. Donc là, on met commander et payer. De toute façon, tu vois que tu n'as pas trop le choix. Alors ici, il y a des boutons cliquables, mais on n'y touche pas, parce que ça, ça interviendra par la suite. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de remplir les éléments de facturation. Donc là, bon, moi, je ne vais pas te montrer ce que j'y mets, mais donc il y a une adresse mail, il y a le prénom. Alors, il n'y a pas de kawaii ici. Hein. Le nom de famille, l'adresse... L'adresse en fonction de ce que tu y mets, la fenêtre s'ajuste. Pays. Surtout quand tu mets le pays, en fait, quand tu mets la France, ça rajoute la région. Le code postal. Et il faut un numéro de téléphone. Ça, c'est pour recevoir les codes SMS, code de vérification. Et on fait continuer. Donc là, vérifier et valider la commande, donc on demande de vérifier les détails de ce que tu as saisi, hein. Donc ton nom, prénom, ton mail, ton adresse et le numéro de téléphone. Là, j'accepte les termes, c'est coché par défaut, et tu fais commander et payer. Donc là, il est 11h13. Pour que tu vois le temps que ça peut prendre. Moi, hier, la création du compte, pour arriver jusqu'à l'ID, ça a dû prendre 8 heures, je crois, quelque chose comme ça, en quelques mails. Donc là, on te dit merci pour la commande, ok, on te dit de faire le paiement en cliquant sur un des liens ci-dessous. Et en fait, là, tu vois que tu n'as pas de lien, parce qu'en fait, tu vas les recevoir par mail, tout bêtement. Je suis pas dans la bonne boîte. Voilà, merci pour vos achats. Nous avons bien reçu votre commande. Donc lorsque votre paiement sera traité, vous recevrez par email les liens pour télécharger vos articles numériques. Donc là,
C'est ici que tu vas aller sélectionner en fonction de ce que tu as acheté. Donc là, j'ai acheté un pack à 250$, donc je clique ici sur le 250$. Ici, ça te redemande une adresse mail. C'est la même, hein. Le nom, donc je remets la même chose aussi. Next. Et là, voilà, ça te donne donc une heure pour payer. Donc tu peux payer en Bitcoin, en Ethereum, ou il y a un paiement, là, Express Checkout, Pay with Coinbase. Bon, j'utilise pas Coinbase, donc je suis pas allé voir ce que ça donnait. Moi, je vais payer en Bitcoin. Donc ici, ça me donne l'adresse pour payer et le montant. Donc là, je copie l'adresse, je vais sur mon Binance BTC, retrait, je copie l'adresse. Voilà, donc on est sur le réseau BTC 35F NNE. Je vérifie toujours quand même, c'est pas là, c'était mon mail. Non. Je vais y arriver, voilà. 35F NNE, ok. Et là, je prends le montant. Je le copie. Et il y a des frais. Donc, il faut aller corriger le montant ici pour vraiment envoyer le bon montant. Puisque ce qu'on va envoyer, c'est 644,080. Donc, il faut que je rajoute 5 à quatrième chiffre après la virgule. Voilà. 644,080. Je vérifie. 644,08, parce que c'est important d'envoyer le bon montant pour s'éviter des problèmes. Et là, hop, en retrait, ok, je continue, j'obtiens les codes, bon, ça tu connais, donc je te passe la vérif. Donc voilà, j'ai mis les codes, donc 8 mars 11h17, voilà, donc là je suis en processing. Hier, ça c'est celui d'hier, ça a mis combien de temps? 17h11, 17h, ça a mis 16 minutes, donc on va voir combien de temps il va mettre là pour aller au bout. De toute façon, je vais recevoir un mail qui me le dit, donc je te reprends une fois que c'est validé. Bon voilà, donc je t'ai laissé hier, hein, puisque j'ai laissé passer la journée en fait, histoire d'avoir toutes les confirmations. Donc 11h17, j'avais fait le transfert, la demande de transfert de Binance, et donc 11h17, ça a été validé 11h38, donc ça a mis 11 minutes, tu vois, encore moins que sur le virement précédent sur mon premier compte. Donc voilà, donc ça a été bon. Après, donc dans les mails, j'en ai reçu plusieurs, donc ici bah, la confirmation comme quoi le paiement était bien arrivé, donc ça c'est arrivé à 11h37, voilà, donc en même temps que Binance le validait, bah, iTrading 404 validait la réception des fonds. Derrière, donc on t'envoie un mail avec le lien pour télécharger ici, mais en fait c'est le téléchargement de la présentation que tu as vu dans la première partie de la vidéo, ça te permet de l'avoir. Une facture, donc toi là c'est arrivé un peu plus tard, hein, 19h19, donc là bon bah c'est une la facture elle est où, clic de button below, voilà, donc tu cliques voir facture et puis bah tu as simplement ta facture, bon ça sert pas forcément à grand chose, et surtout ici, donc ce qui était arrivé à 19h03, tu reçois ton code membre, donc là pour ma femme c'est RC, moi c'est QT. Voilà. Et là, on te dit que tu peux aller te loguer. Donc là, tu cliques sur Member Area. Tu arrives ici sur Se connecter. Mais en fait, là, ça sert à rien d'essayer de te connecter puisque tu n'as pas créé de compte encore. Pour l'instant, ce que tu as fait, c'est acheter le pack. Tu l'as payé. Ça a été confirmé. On t'a créé ton ID. Donc maintenant, il faut que tu t'inscrives. Donc là, tu cliques sur S'inscrire. Là, tu fais S'inscrire avec un email. Donc là, je remets le même email. Et on passe. S'inscrire. Là, on te dit confirmer votre email pour commencer. Donc, on t'a envoyé un email pour que tu puisses confirmer l'adresse.
dans ta boîte, voilà, veuillez confirmer votre adresse email. Tu as juste à cliquer et ça te réouvre, voilà, la fenêtre. Et donc, tu reviens sur la page d'accueil Retrading et là, tu peux faire un login. Là, tu peux te connecter puisque maintenant, ton compte existe. Et voilà, là on y est. Donc après ce que je disais plus tôt dans la vidéo, donc il faut aller dans la zone membre pour aller configurer le retrait. Hop, là, là. Donc on saisit les différents éléments ici. Et on fait envoyer, donc je répète, hein, le prénom, le nom, l'email, et puis l'adresse, donc si tu veux Bitcoin, l'adresse de ton portefeuille pour recevoir. Et puis en dessous, il y a le formulaire pour valider que tu es conscient du risque que tu prends. Bon, ça je vais le faire après, c'est pas la peine que je te montre. Bon, je vais le faire maintenant, je vais couper la vidéo, je le fais et je te reprends. Voilà, donc de retour dans la zone membre, donc j'ai fait le retrait et le formulaire, hein, les deux documents, et puis donc là je pourrais faire affiliation pour faire l'inscription sur l'autre compte, mais bon, t'as vu que c'était simple, hein, l'inscription c'est juste le prénom, le nom, email, je crois que c'est tout, avec une confirmation après, tu reçois un mail pour confirmer l'adresse mail, et puis basta. Bon. Je ne vais pas faire une inscription pour son compte puisque je ne vais pas m'en servir pour parrainer. Maintenant, du coup, si je vais sur le... Et puis de là, donc, performance, pardon. Si je vais dans les performances, on peut voir ce qui a été fait hier. 8 mars, donc il a tradé un peu. Il a fait 0,3%. Donc, on nous reverse 0,18%. Donc, si je vais sur mon ID, mon QT... voilà, donc j'ai bien les 0,18% avec 45 centimes, donc gagné hier sur mon compte et celui de ma femme, je sais pas si c'était CRC. Ah bah oui, ça avait été placé suffisamment tôt, comme ça avait été fait en fin de matinée, ils l'ont pris en compte et donc elle a aussi obtenu les 0,18% avec 45 centimes. Voilà. Donc maintenant, si je vais juste sur la partie affiliation, ah ben voilà, les 25$ donc sont là, résumé, une commande, 250$ et 25$ de gain, voilà, puisqu'hier ils apparaissaient pas tant que c'était en attente, que là, comme le paiement a été confirmé, statut approuvé. Donc, qu'est-ce qu'on trouve d'autre ici? Analytique, donc il y a des visites, ok... Transaction, voilà, donc là 8 mars 11h13, c'était 0 parce que c'était en attente, et là c'est passé du statut en attente à approuvé, donc les 25$ sont bien ici. Montant en attente 25$, ça c'est les réglages, on a vu. Donc voilà, donc le parrainage a bien fonctionné, et là j'ai bien récupéré la commission de 10% sur son placement. Après, je pense que ça va être ici Trading Commission. Peut-être c'est ici que je vais voir apparaître les commissions sur ces gains. Clique here. ça je découvre. C'est quoi? BE, CA, JP. Ah oui, c'est les meilleurs. D'accord. C'est un classement des sponsors, des parrains en fait, ceux qui ont généré le plus, je pense. Donc si je vais sur QT, donc j'apparais pas encore. Donc, non, j'y suis pas, je suis pas encore. Par rapport au gain d'hier, il doit y avoir un petit délai. Donc voilà. Donc normalement avec tout ça, bah tu as tout compris sur la procédure.
à appliquer pour pouvoir t'inscrire correctement, et puis les différents mails que tu reçois, et du coup il ne faut pas être étonné qu'il se passe 6h, 8h, parce que c'est le délai donné, hein, c'est même jusqu'à 24h. Bon, a priori c'est plus rapide que ça, mais il faut pas être surpris de pas recevoir un mail tout de suite, puisqu'il faut attendre déjà que le transfert Binance se fasse, et puis derrière, bon, bah, il se passe quand même quelques heures avant d'avoir la confirmation, mais rien de grave. Donc je te rappelle que j'ai mis le lien en dessous de la vidéo, donc si tu veux t'inscrire, ben, n'hésite pas à l'utiliser, ça me fera plaisir. Si cette vidéo t'a apporté, n'hésite pas à mettre un pouce, tu peux t'abonner à la chaîne aussi, puisqu'il y a d'autres sujets qui sont traités sur cette chaîne. Et sur ce, ben, je te dis à bientôt, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine, en fonction de quand tu verras la vidéo. Allez, ciao.